Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zewoja, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda et Zelda, Twilight Princess. Et aujourd'hui, alors du coup, on est tout simplement à la recherche de coffres, mais voilà, on va continuer l'aventure, du coup on va aller à l'endroit où on s'était laissé la dernière fois, donc on s'était laissé avec la grande clé, et on a une petite clé aussi pour ouvrir la suite. Donc on s'y retrouve tout de suite. Vu que j'avais enregistré, je m'en retrouve toujours au début du château et vu que au début du donjon et vu qu'il y a des coffres des fois que je rate, je préfère aller voir ce que c'est si jamais ça m'intéresse ou pas. Mais bon, bref, rendez-vous où c'est quand c'était laissé au dernier épisode. Re tout le monde, donc ça c'est un endroit où on n'avait pas été. En fait c'est quand on avait éteint la torche, on avait été que à gauche avec voilà l'énigme des torches. Et là bah vous voyez qu'on a été en fait à droite du coup et on va aller one shot assez facilement. On va voir ce qui s'y trouve justement, parce qu'il peut y avoir un coffre. Bah. Alors, pourquoi c'est fermé? C'est une très bonne question là. Ok, alors tout le monde, bon bah j'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire. Bah, en vrai, c'est pas si grave que ça, parce que c'est pas ici qu'on allait. De toute façon, on a dit qu'on allait au même endroit que la dernière fois. Bon, on va y être donc. On va se laisser ensemble. Bon bah on va rester ensemble, pardon. Bah en tout cas, qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui? J'espère qu'on va... Il y a moyen d'arriver au boss en fait, hein. Il y a vraiment moyen. Alors est-ce que ça va se faire? Je sais pas. En tout cas on fera pas le boss aujourd'hui, hein. Ce sera sûrement dans le prochain épisode ou sinon dans deux épisodes. Mais en tout cas ça va vraiment être trop bien. C'est bon, la porte est toujours ouverte. Mais voilà, ça me donne vraiment envie d'aller jusqu'au boss aujourd'hui, on verra. Bref, bah du coup let's go jusqu'à la clé, hein. Et alors tout le monde, nous y voilà. Alors, c'était ici. On avait la petite clé qui permettait d'ouvrir cette porte. Qui nous amènera à quoi? Sûrement des boss, sûrement la montée des tours. On sait pas. On sait pas exactement ce qu'on... Ok, donc on va se transformer en loup directement. Nouvelle énigme, du coup. Alors, bon, ça va, ça, c'est ça. Compliqué. Compliqué, on est tombé directement. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'on peut... Ah ah! On voit des gardiens. Des gardiens qui peuvent nous guider, en fait. Donc ça, c'est nice. Ouais, j'avais pas pensé à regarder. En fait, ils nous montrent le chemin, carrément. Ouais, regardez. Ça, c'est pas mal. Ok, donc ça c'est passé. Là on va essayer de sauter assez rapidement. Nickel, on est passé. Oh, avec là de la baston. De la baston, on va s'en transformer en humain bien sûr. On veut pas de problème nous. Alors, est-ce qu'on pourrait les one shot? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, faudrait juste que ça marche quoi. Ok, ça c'est super je pense. Ouais, on a... Attendez, il y a la musique qui se vénère là. Est-ce que Midona pourrait nous aider là-dessus? Est-ce qu'on pourrait faire des bons sauts? Eh merde. On est bloqué? Non. Obligé, on peut mettre le grappin. Allez, moi j'y crois. On peut sûrement mettre le grappin à un endroit où on n'a pas vu. Moi je dirais ici, hein, les amis. Hein. Mais oui, totalement. La musique qui s'énerve, ce qui veut dire qu'on s'approche peut-être du boss final. Et c'est ce qu'on veut, hein. Une nouvelle session de fight. Plus on monte, plus il y aura de combat. Attention, c'est parti. Ça c'est super, parce qu'on va pouvoir mettre directement un coup de grâce. Et un deuxième coup de grâce, ça les tue, on récupère peut-être de la vie ici. Voilà, comme ça on met des coups qui font mal. Il va falloir l'aérouage ici, on va mettre moins fort un petit peu. Vous connaissez les bails, hein. Pour moi le jeu est toujours un tout petit peu trop fort. Mais après je peux mettre moins fort via le casque. Voilà, c'est ce que je fais. Et du coup, alors on était là-dessus. On va enlever les bombes, hein, parce que voilà, hein, c'est vrai que... Ok, c'est parti alors. Ça c'était compliqué. C'était compliqué, on n'était pas dans un bon tempo. Il faut choisir un meilleur moment, on est parti au hasard, il faut être plus intelligent que ça. Allez.
Ok, c'est parti. On était bien. En vrai, c'est dès le début comme ça on peut esquiver vite fait. Et là, faire tac, voilà. Mais bon. Alors là... Oh, ça va être un très très gros combat là. On a perdu de la vie, on aimerait récupérer des cœurs, vous connaissez les bails. Plus de dégâts sur nos coups tornade. Ah, ça suffira pas. Oh, il manque tellement peu. Allez, c'est un combat face à un boss que nous avons déjà vu, bien sûr. Ou peut-être pas, non, ce sont les chevaliers, peut-être les plus hauts gradés là. Oh ouais, on n'a jamais battu ça, il me semble. En tout cas, c'est parti, on va enlever. Venez, on va enlever la cam et on va essayer de faire un bon combat. Un petit brise-casque. Wow! Ok. Ah, c'est pas mal. Donc lui, c'est compliqué. Un coup éclair. Ça lui suffit. Ouais, désolé, là, je parlais pas trop en même temps. J'ai réfléchi un petit peu aux attaques qu'on a, hein, mais... On a ça qui peut être pas mal, avec un petit charge bouclier, voilà le brise-casque qui va passer. Nos techniques de combat qui sont bah, du coup utiles pour lui. On lui passe dans le dos, merde, il va lancer son épée. Ok, c'est bien esquivé, on va pouvoir peut-être l'attaquer. Eh merde, c'est raté. Attendez, c'est quoi mon putain de bouclier? Un petit brise-casque, il a été raté, c'est pas grave. Super, on arrive à baisser sa garde. Oh, je suis tellement concentré, les amis. Vous en rendez pas compte, hein. Après, ça va, hein. Je m'en sors plutôt bien, je trouve. On l'a tué, let's go. Attendez, c'est là. Oh, attendez, il y a plein de coffres juste à côté. Quoi, il faut une clé? Quoi? Attendez, vous avez vu les coffres qu'il y a juste à côté? Non. On fait pas le boss. De toute façon, on se le laisse, hein. Oh, ça va être un tout petit épisode, les amis. Attendez, parce qu'il nous faut la clé, nous. La clé qu'on a ratée, du coup, hein. En vrai, ça va, en vrai. Vache. En vrai, ça va. On va juste essayer de s'y retrouver. Alors, est-ce que là, je pourrais planer? Non, hein. Bah, du coup, on va essayer de trouver... où est la petite clé, hein? On va essayer de trouver. J'ai envie d'avoir des trucs. Je sais pas, il peut y avoir quoi dans les coffres, mais c'est probablement un fragment de cœur. C'est pas ici, hein. Ça sera vraiment tout au fond. Vous voyez, il y a des coffres et il y en a beaucoup aussi, donc... ce sera peut-être là, la petite clé, au final. Je sais pas, sinon... Oh non, le sanglier... Il est mort. Vas-y, sanglier, sanglier! Vas-y, on en prend un autre. Heureusement qu'il y en a deux, hein, j'ai envie de dire. Allez, let's go. Faut pas se rater. Super, allez hop. On va essayer de ratterrir ici. Donc du coup c'est ici, on a raté quelque chose. En plus on l'avait ouvert la grille. Oh putain non. C'était à droite, alors fallait monter du coup, hein. Attendez, mais on avait pas monté justement. Mais non, justement ça servait à rien de monter. Attendez, c'est genre là? Faut éteindre la torche. Putain, mais il y a quelque chose de l'autre côté, regardez! Non, attendez, non, mais il y a vraiment quelque chose de l'autre côté! Attendez. On va éteindre la torche, hein. Putain, faut faire quoi? Je me suis dit, vas-y, on peut peut-être creuser en loup. Mais il n'y a pas de... C'est où qu'il faut aller? Attendez, mais... Une bombe? Vraiment, vous pensez une bombe? Wesh, elle a quoi le... Il y a une putain de voiture, on dirait un hélicoptère, les gars. Hop, on va séparer, tac. Oh, on va pas justement séparer. Putain, on passe comment là-dedans? Attendez, on va monter, j'ai une idée quand même. Ah ouais, mais en fait, non, c'est peut-être pas une ouverture. Attendez. Quoi? Ça serait par la droite, peut-être? On va trouver, je vous le promets, on va le trouver, je suis obligé. C'est ici? Par ici qu'il faut passer? Alors regardez, on peut monter là. Ouais. Attendez, ils essaient de nous tirer dessus, là.
Ouais, ils peuvent essayer. Hein. Bon, alors on est un peu bah, pas perdu justement, parce que c'est trop bien, parce qu'on est dans un endroit tranquille alors que c'est le boss final. Et si on essayait de sauter ici, et genre de se raccrocher? Ok, on a réussi. Mais ça sert à rien. Vas-y, en vrai, attendez, non mais en vrai, je vais aller voir une soluce. Mais on se retrouve quand j'ai trouvé. Attendez, mais je peux me mettre quand même en loup. En vrai, on peut peut-être creuser et c'était fourbe. Hein. Attendez, si on enlève ça et ça. Ouh, c'est en loup qu'il faut passer, justement. En fait, c'est peut-être en loup qui. On peut pas lui parler au sanglier? C'est un peu casse-couille ça. Non, bah je vais aller voir une solution. J'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire, mais je vais aller voir ceux les coffres extérieurs du château d'Irune. Je vais aller voir les solutions. A tout de suite. Je viens de lire un truc, mais en fait, j'ai rien compris. Hein, mais je viens de lire un truc dans. Mais what the fuck? On est où? Donc il y aurait une histoire de bombe à mettre dans ça. Oh la vache! Attendez. Transformation humain. What the fuck? En fait, c'est carrément un autre endroit. Alors là, vous dégagez en fait. Voilà. Oh, il reste encore. Merde. Bon, voilà, ils sont morts. Et du coup, il faut placer une bombe à un endroit. Et je vais vous trouver ça. Hein. Vous inquiétez pas. Attendez, juste les bombes là. Attendez, mais là, il y a les. Ah ouais, mais d'accord. Attendez, c'est pas ici qu'il faut mettre une bombe. Regardez, si, là, regardez au sol. Pas besoin de faire les énigmes hein, quand on a lu les solutions, c'est trop facile hein. Bah forcément, alors. Ok, ça ouvre un coffre. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose dessus? Est-ce que c'est la petite clé en fait? On s'en fout hein, de ce qui spawn, on s'en fout. Est-ce que c'est la petite clé? Merde. Donc j'ai vu hein, c'est les petites clés hein, d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Elle sera là-dedans. J'y crois pas. Je pense qu'il faut encore faire autre chose. J'ai vu une histoire avec les torches. Alors, puis il y a des chouettes à diriger. Alors, vous allez voir. Oh, un rubis vert! Je n'ai jamais vu un coffre avec des rubis verts. Oh, what the fuck? Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va arrêter la pluie? Et là, il faut se dépêcher. Et allumer les deux torches en face. Aucune idée, hein. Oh mais il y a les deux chouettes, mais il y a les deux chouettes en tout cas. Let's go. Oh putain. Oh quelle erreur. Ah c'est bon, elle se. D'accord. Je pensais que les grilles allaient se refermer, j'étais un peu dégoûté, fallait se dépêcher et tout, mais du coup je parlais pas. Bah du coup on va prendre ça. Attendez, puis qu'est-ce qu'elle dit la stèle en fait là? Merde. La source de vie que les hagards fantômes contemplent, le transfixé des épaisses murailles de noir enveloppées deviendra la clé. Quoi? Quoi? C'est clairement là qu'il faut les mettre. Ça sert à rien de faire des énigmes. Vous êtes sérieux là? J'allais dire Riot Games, mais Nintendo, vous êtes sérieux là? C'est quoi ça? Niquez-vous, attendez, mais genre c'est quoi cette putain d'énigme alors que je faut juste les mettre dans un putain de trou. Et ça veut juste qu'il faut pas les mettre là. Vous allez tous m'insulter dans les commentaires. Mais vas-y, en vrai j'y crois tout moyen, genre ça serait un peu con. Ah oui, mais attendez, non, parce qu'en fait ça va me faire un passage, vous connaissez les bails. Vous connaissez les bails? Ça va me permettre de sauter en haut et récupérer la petite clé. Bah voilà, c'était ça. C'est aussi simple que ça pour récupérer la clé. Bon du coup on va pas faire les coffres qu'il y a dans le château d'Hyrule. Bah je crois. Je crois que ça parlait d'une petite clé hein, dans la soluce, donc du coup on est bon. Hein. Alors vas-y, saute pas, wesh. Mais du coup ça on s'en fout, parce que le but c'est juste de monter en fait. De traverser le truc, de reprendre le coffre, et ensuite, oh là là, ça va être trop cool. Ah ouais, non mais j'ai pas envie de faire d'erreur. Vas-y, j'ai pas fait d'erreur. Vas-y, c'est le coffre. Oh les gars, c'est le coffre. C'est la petite clé, vous vous rendez pas compte, mais c'est peut-être le dernier fragment de cœur en fait. Et eh bah ben, ça m'intéressait forcément d'aller le chercher, hein. Mais j'espère que c'est ça quoi, parce que sinon on est un peu dans la merde quoi. Bon c'est la petite clé, voilà, donc celle-là elle est assez incroyable. Hein. Ah! Non!
Moi j'entre par la petite porte moi. Alors du coup attendez, on se transforme en loup. Ouais Midona, wesh elle nous a flame là, hein, vous reconnaissez hein. Wesh c'était par où, c'était là? Non 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 c'était les feuilles, les feuilles. Ouais voilà c'était là. Vous avez vu comment elle nous a flame? C'est bon t'as pris ce que tu voulais nanana. Ça me bute moi. Bon du coup rendez-vous ici. Bah rendez-vous au château d'Hyrule, je remonte tout en haut. Et avant qu'on se dise au revoir, on va chercher les petits coffres et tout qu'il y a, ça va être plaisant. Voilà, bah à tout de suite les amis, à tout de suite. Wesh la team. Bon oh là je suis perdu, je sais plus ce que je faisais. Ah oui, il y a la mère qui est venue. Elle est venue nous dire un petit truc, merde. Du coup ouais je suis en train d'essayer de faire le parcours mais je me rappelle plus c'est quoi le parcours. C'est à partir de là je suis perdu. Je croyais qu'il fallait sauter là mais non. Attendez, c'est pas genre ça? Merde. Mais je vais me mettre en loup, mais je vais me dire que je suis un gros caisse, ça. Mais vraiment, hein, vraiment, vous allez voir. Vous allez comprendre que je suis un gros caisse. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. C'est le dernier endroit, je suis débile, what the fuck. Ou alors, t'es obligé d'avoir les gens qui te guident, et c'est pour ça que ça marchait pas, lol. Ah, parce que c'est incroyable, hein, là. Oh, vraiment. Vraiment. Bon bah du coup bah on y est hein, voilà c'est bon on va pas se relaisser, on va pas faire une ellipse. C'est quand même assez rapide mine de rien. Là il faut utiliser les grappins, vous connaissez les bails. On va aller voir du coup les coffres, il y a beaucoup de coffres hein, quand même, c'est la salle des coffres. Je sais pas si une nouvelle arme j'y crois moyen. Peut-être l'armure mine de rien. Ça pourrait être rigolo qu'il y ait l'armure magique. Genre un nouveau bouclier j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi. Bah en vrai ils auraient pu mettre des choses quoi, c'est ça que j'ai envie de dire parce qu'il y a rien du tout au final. Mais vas-y, en vrai, c'est pas grave, quoi. Genre, c'est la rue, c'est tranquille, quoi. Ça, ouais, hein, dans le genre... Je tente des trucs un petit peu de ouf. Oh, mais du coup, on a la petite clé, c'est incroyable. Ici, la petite fée. En vrai, allez, vas-y. Vous savez quoi? Je prends pas le cœur et je crois un fragment de cœur. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, un combat? Wesh! Vous avez vu tout ce qu'il y a? Oh les bombes insectes! Ouais, j'ai pas de place. Ah si, j'ai de la place. What? 200 rubis verts! On n'avait jamais eu ça de notre vie. Attendez, il y a quoi d'autre? Non, il y a pas de fragment de cœur, je vais être dégoûté. 50 graines, putain, bah au moins j'en ai limité des graines. Hein. Un truc qui sert à rien. C'est bien en vrai. Oh là là, celui-là il va rentrer dans la course. Hein. Ah, c'est incroyable. Il n'y a pas de fragment de cœur. Celui-là il va rentrer dans la course aussi, juste. Oh, pas du tout. Il m'en. Attendez, il aurait pu rentrer. Bah oui, il aurait pu rentrer avant. Non, mais vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de fragment de cœur du coup. Je suis dégoûté. Bon bah voilà, bon bah c'est un peu dommage. Hein. Bah, attendez, mais. J'aurais bien aimé avoir un cœur de plus quand même. Hein. Ouais, ici, c'est sûr, il n'y en aura pas. Sur... Lui, j'ai envie de le détruire, sa mère. Je sais pas pourquoi, mais genre, je suis sûr qu'il y a encore de l'argent. Vas-y, il n'y avait rien du tout. Oh, la petite fée. On sait jamais si on meurt, hein, c'est toujours ça de gagner. Hein. Oh, bah voilà, bah, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Oh, c'est la première fois, je savais même pas qu'il y avait une salle des coffres comme ça. C'est un joli clin d'œil. Est-ce qu'on pourrait pas casser ça juste? Non. Ah c'est dommage, pas de fragment de cœur quoi. Je suis un peu dégoûté de ça, mais vas-y, ça arrive. Et y'a quoi dans ce genre de coffre? C'est quoi? C'est des... Ah oui, d'accord. Ça nous met bien en fait. C'est genre tout ce qui est 5 bombes, 10 flèches, etc. etc. quoi. Ah, voilà, c'est exactement ça. What the fuck. Ça met trop bien. Bon bref, bah vas-y, on se laisse, c'est bon. De toute façon, au niveau des... Regardez, hein, je suis full partout. Donc c'est nickel. J'espère que ça vous a plu cet épisode. C'était incroyable, franchement incroyable. C'est fini, ça y est, prochain épisode c'est le boss. Je le tournerai peut-être en 2 épisodes mais parce que ça va être long hein, c'est un bon boss. Mais bah voilà ça va être fini, après c'est un peu triste. En vrai c'est triste de ouf. Mais c'est bien, ça va faire des vacances avec Kirill Warriors qui va bientôt se finir. Donc voilà, bah comme des petits, n'hésitez pas à faire tout le tralala nécessaire, hein. On y est, c'est la clé du boss final. Et l'ombre qui bug. Bien. C'est très bizarre l'ombre là. Attendez, je bouge, je sais.
Ah, c'est. Ouais, voilà. Bon, bah, je vous fais 1000 bisous. Comme d'habitude, portez-vous bien, c'est très important. Puis on se donne rendez-vous bah, pour Hyrule Warriors. Puis la semaine prochaine, c'est. Non, pas du tout. Non, c'est le boss final là. Rendez-vous, attendez, on est quand? Samedi, dimanche. Rendez-vous lundi pour le boss final. Première partie sûrement. Ciao tout le monde.